Sly Guy est là. Alors, la revanche du premier Clash de la Drague, on trouve Cédric et Romano. Ouais, et je le baise. Eh ben, on voit ça. Prépare une super méthode, Cédric. Ah, t'inquiète, j'ai déjà ma méthode. Super. Je sens que je vais le piner tout à l'heure. Ah, ouais, moi, j'ai pas encore ma méthode, je la prendrai au dernier moment parce que je suis une bête au Clash. Ouais, je vais te montrer c'est qui la bête. On va voir ça tout à l'heure. Attention, jingle Clash de la Drague. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. De retour. Et tous les coups sont permis. Oui. Pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un ouais, côté, ouais, ouais. Romano. Le champion. De l'autre, Cédric. Bah, le loser. Le seul, l'unique, le vrai. Le beau gosse. C'est le clash de la drague. Et voilà, le clash de la drague, c'est parti. Ouais, ouais, ouais. Les méthodes d'abord, et juste après, on va écouter le son de Naughty Boy. Juste après Naughty Boy, on clash. Alors, Cédric. Ah, j'ai oublié le top bug. Eh ben, on va le faire. Ah, bah tiens, on fait aussi le top bug tout de suite. Vos méthodes d'abord. Alors, moi, je vais faire la méthode du geek. La méthode du geek, Cédric. C'est ça, ouais. T'es geeké ce soir. Ouais, c'est ça. Romano, ta méthode. Moi, c'est la méthode bison futé. Méthode bison futé. Eh ouais. Car Romano, il est futé. Et je suis un bison. Oui. C'est ça, ouais. Eh bien, c'est parti pour le clash dans un instant sur Skyrock. T'es sûr que t'es prêt pour le clash? Ouais, moi, je suis prêt, T'es pas en panique, là, gros. Je mets le jingle et je le défonce. Allez, c'est parti. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis. Pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Oh, de l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi. Le seul, l'unique, le vrai. Le beau gosse. C'est le clash de la drague. Et ouais, Cédric, Romano, ils sont là tous les deux. C'est parti. Allez, on y va tout de suite. Méthode du geek, c'est pour toi, c'est Cédric. Ça, ouais. Allez, tu ouvres le bal. Honneur au loser. Honneur au loser. On commence toujours par Cédric, Romano. Ouais, il ouvre souvent. Honneur au beau gosse. Même quand il a gagné, là. Ouais. Mais là, il a pas gagné, là. Non, pas ce soir. La revanche, c'est parti. On appelle qui? Allez, on va chez Stéphane. Chez Stéphane. Attention. Bonne chance, Cédric. C'est toi le geek ce soir. Allô? Ouais, Stéphane. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, c'est qui? Ben, c'est Michel au téléphone. Dis-moi, je t'appelle là, parce que je suis un peu accro aux jeux vidéo là ces derniers temps, là, ça fait quelques mois. C'est qui Michel? Ben, justement, je me présente, je suis Michel, fan de jeux vidéo. Ouais. J'arrête pas de jouer à la console, je passe 12 heures par jour et on m'a demandé d'occuper mon esprit à quelque chose d'autre, genre trouver une femme ou un mec pour je sais pas, pour faire l'amour par exemple, tu vois, histoire que j'oublie un peu ma console. Ouais. Donc je voulais savoir si je pouvais pas venir chez toi histoire qu'on fasse connaissance. Ça dépend, c'est quelle radio? Ah bah écoute, là j'ai pas encore de radio sur moi, mais on pourrait écouter une radio si tu veux, y'a pas de soucis. Bah non, mais t'es sûr que c'est quelle radio là? Bah non, c'est la console que je joue moi, tu sais. Un petit cadeau. Ouais. Allô? Un cadeau dedans. Ta gueule. Bon, ta femme elle est là ou pas? Non. Ouais. Bon, tu peux me la passer à la limite, je veux voir ça directement avec elle. Bah elle est occupée, elle fait prendre le bain au gosse. Bah moi j'aimerais bien qu'elle s'occupe de moi aussi après. Et moi, j'aimerais bien gagner un cadeau, hein. Bah, écoute, on verra ça après. Déjà, j'aimerais bien savoir si ta femme ne voudrait pas me faire prendre un bain, par exemple. Oh, si, je pense, ouais. Moi aussi, j'aimerais bien. Parce qu'il est très sale, mon ami. J'aimerais bien qu'elle me frotte un peu le dos, tu vois. Ouais. Tu tiendras pas dans la baignoire. Et après. Ah, ouais, merde, la baignoire des gosses, puis les gosses vont avoir peur. Ah, ta gueule. Non. Et après, ouais, si elle veut, pour me frotter autre chose. Et quand ils vont voir ton tuyau qui dépasse de la bite, les gosses, ça va les terroriser. Bah, ta gueule. Les traumatiser à la vie. Allô, bon, c'est bon, je peux m'occuper de ta femme ou pas? Bon, c'est Stéphane, c'est Stéphane, ton prénom? Bon, bah, Stéphane, Attends, Stéphane. Il a trouvé que c'était la radio, on va passer à la suite. Bah, alors, il a dit que je peux m'occuper de sa femme, gros. Il a dit avant la radio, si vous le faites dans son sens. Le cadeau, eh bien, tu vas pouvoir choisir. C'est Cédric de Skyrock lui-même qui va te le payer. C'est vrai, c'est cool, c'est génial. Je vois que ça met la famille en joie derrière. Putain. Les enfants. Elle est contente. Elle est contente. Elle est contente, madame. Elle est contente, elle est toute propre et elle est contente en plus. Bon, c'est bon, je m'occupe de ta femme, c'est bon. Ah, ok, ouais, Cédric, c'est ça. Je te ramène un cadeau, je m'occupe de ta femme. Mais oui, mais oui. Ouais, moi, je veux mon cadeau, Romano, Cédric, tout ça, tout là-bas. Allez, tu vois qu'on a un fidèle. Tu vois, Romano, il est là en plus. Pas de cadeau, moi, je suis là, mais c'est. Malheureusement, c'était pas moi qui t'ai dragué, bien dommage. Ah, mais j'aurais bien voulu, Romano. Ah, bah oui, mais c'est l'autre. Ah, bah c'est loupé, c'est moi. Désolé. C'est moi qui vais m'occuper de ta femme. Ah, bah puis, il va te payer ton cadeau. Cédric va surtout te payer ton cadeau, il est très gentil. Et m'occuper de ta femme aussi, tu l'as dit. Oui, mais oui, c'est ça. En gros, il l'a dit. Ouais, c'est pas un mauvais joueur. Moi, je trouve quand même que Cédric, il en prend toujours plein la gueule. Hein. Je l'écoute toujours. Tu perds au clash. Romano, il en prend toujours plein sa gueule. Mais hein. Romano est quand même plus fort au clash, tu trouves pas? Non, mais on parlait pas du clash, là. Il parlait de prendre plein la gueule. Ah, Romano, j'adore. Romano est plus fort au clash, effectivement. Mais. Bon, Stéphane, toi, t'auras pas de cadeau finalement. Hein. Non, mais j'ai quand même dit, il y a un mais. Vas-y, mais. Il est plus fort au clash, pourquoi? Parce que les gens votent pour lui.
mais c'est pas forcément les meilleurs votes. Hein. Ah, vous entendez, votez bien ce soir. Faites comme Stéphane, votez Cédric tout à l'heure. Non, mais il a pas dit ça non plus, Cédric. Si, hein. Si, il a dit qu'il allait voter pour Cédric, il vient de le dire. On te garde, Stéphane, tu raccroches pas et puis on t'envoie ton cadeau. Merci pour tout. Hein. Et salut la famille derrière. Salut Stéphane. Les gars, y a pas de soucis. Salut Stéphane. Ciao. Ouais. Embrasse ta femme. Salut Stéphane. Ouais. Bon, on remet les compteurs à zéro alors. Hein. Si vous venez juste d'arriver, bah écoutez, on est au premier coup de fil et je redonne un coup de fil à Cédric. Et ça lui a déjà coûté un cadeau. Un cadeau. Baby, comme ça, hop là. Vous qui laissiez des messages pour souligner que vous étiez content, et ben vous avez raison. Qui? Allô? Hein? Jacques. Allô Jacques? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien, ouais. Bah, ça va, tu peux parler dans le téléphone, je t'entends très mal là. Bah, moi je t'entends bien. Bah, attends, retiens ta bouche du téléphone, je t'entends mal. Oui. Tu m'entends? Oui. Bon, dis-moi, je t'appelle là parce que moi je suis un peu accro aux jeux vidéo. Et j'ai vu des amis qui m'ont conseillé de rencontrer des gens pour un petit peu oublier mon addiction aux jeux vidéo. Oh, bien. Donc, je me dis, ce soir, je vais appeler Jacques et je vais voir s'il est là avec sa femme. Et puis, bah, à la limite, elle pourrait s'occuper de moi. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être, ouais. Genre, je viens, je me pose dans ta chambre, on fait des petits câlins, des petits massages, et puis après, bah, on fait des choses, quoi. Entre adultes. Allô? Ouais. Je sens que ça te ferait plaisir. Ah oui, alors tout à fait, ouais. Ah, je sens que t'as envie de me faire l'amour, toi. Non, alors. Bon, bah, écoute, ce que je vais faire, c'est bien. Bon, bah, je sens que tu veux que je m'occupe de ta femme. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je vais m'occuper d'elle, la belle. Et puis, à la limite, si tu voudras participer, je te laisserai un petit peu de place, d'accord? Ouais, mais qui est à l'appareil? Bah, c'est Michel. Michel, l'accro aux jeux vidéo, on m'appelle. C'est parti pour un tour. T'as bon. Qui est à l'appareil? D'accord? Ouais. Bon, bah, j'arrive dans 5-10 minutes, d'accord? Tu dis à ta femme de se préparer, qu'elle prépare le lit. Et puis, bah, je débarque, d'accord? Je débarque, mais alors, t'inquiète pas si je te fous dehors, hein. Ah, bah, ça, d'abord, je m'occupe de ta femme, après, tu pourras me foutre dehors si tu veux, tu vois, y a pas de problème. Ouais, mais je compenserai par là d'abord, hein. Bon, bah, très bien, bah, je m'occupe de ta femme, et puis après, on verra, d'accord? Ouais, bah, alors, à la limite. Arrête tes conneries, hein. Bah, sinon, je la ramène à la maison si tu veux plus d'elle, hein, tu sais. Ça se gâte. Arrête tes conneries, hein. Bon, ben, j'arrive tout de suite, mon petit Jacques, d'accord? Ferme ta gueule, toi, sur mon appel. Allô? Qui est à l'appareil? Il est parti. Aïe, je dirais rien, parce que bon, c'est à vous de juger. Dans un instant, vous pourrez voter. Ligne numéro 7. Fabien, j'espère ça Fabien, que... oui. Ça Fabien pour lui. Allô Fabien? Ouais. Ouais, ça Fabien? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, là. Dis donc, en fait, je t'explique, je t'appelle. Je suis un touriste, là. J'étais un week-end dans la région, là, près de chez vous. Mmh. Allô? Oui. Et en fait, ce soir, là, j'ai vu qu'il y avait plein de bouchons sur la route, donc j'ai pas trop envie de rentrer ce soir. Et vu que j'ai repéré ta femme, je me disais que je pouvais peut-être la rencontrer ce soir et rester chez vous jusqu'à demain matin. Moi, je dis que t'as qu'à être fait enculer parce que t'es un gros con. Mais je peux venir ou pas? Casse-toi, prends-leur. Non, mais je vais venir, là. Ouais, bah, viens. Tu vas ça, je vais venir et je crois que je vais bien m'occuper de ta femme. Ouais. Et de toi aussi après. D'accord. Donc, je vais vous faire l'amour à tous les deux, après, je dors un peu et puis demain matin, je reprends la route. Ok? Tu vas partir avec un grand coup de poing dans ta gueule, espèce de petit con. Je préférais l'avoir dans les fesses. Si vraiment t'avais de la gueule, donne-moi ton nom. Ah bah moi je m'appelle Monsieur Lapince, Jean-Louis Lapince. Ouais. Donc non mais de toute façon, t'inquiète pas, je suis là dans 5 minutes. Hein. Ouais bah je t'attends. Bah j'espère bien que tu m'attends. Dis à ta femme de se foutre à poil et puis on attaque direct. Hein. Ça te branlerait. Parce que j'aimerais pas me coucher trop tard ce soir, j'ai quand même de la route à faire demain moi. Donc j'y mets un petit coup, à toi aussi, puis après on en parle plus. Bon bah je te dis à tout de suite. Allô? Bah parle. Parle. Ouais bah je t'écoute. Bah je te dis que j'arrive. Bah vas-y, je t'attends. Bah à tout de suite alors. Vas-y. Bisous. Ouais bah tu renculé, sale bâtard. Bisous, bah à tout de suite, oui. Oh tu n'en peux plus là déjà. Ouais. Sale PD, bon. Ah mais moi j'arrête, je bande là. Ouais bah tu dois pas avoir une grosse bite. Bah non mais bon, ça c'est suffira. Vrai. Comment ça, tu sais? Ça suffira pour ce que je vais faire à ta femme et à toi. Ouais bah viens. Eh bah j'arrive. À tout de suite, mon amour. À tout de suite, oui. Moi aussi je t'aime. Ouais, bien voilà. Attends, comment tu l'as envoyé chier, gros? Une invitation. Ouais bah viens, gros. Une invitation, je viens. Vas-y Cédric. Attends gros, tu vas te faire défoncer la gueule. C'est tout ce qui va se passer. Toi qu'est-ce que tu vas faire toi pour le moment? À part payer un cadeau. Greg. Grégory. Non moi Jacques. À part payer un cadeau, t'as fait quoi? Allô? Oui. Allô Grégory. Oui. Bonsoir, comment ça va? Ça va. C'est qui? T'es avec ta femme et les enfants là? Ouais. Ah bah très bien, c'est Michel au téléphone. Je t'appelle là parce que j'ai un petit souci en fait. Je suis accro aux jeux vidéo là depuis quelques mois là. J'arrive plus à m'en passer quoi. Et du coup j'ai des amis qui m'ont conseillé de rencontrer des femmes ou des mecs quoi. Donc à la limite ce que je pourrais proposer ce soir c'est que tu t'occupes des gosses et puis que moi je vienne à la maison histoire de rencontrer ta femme. Ouais puis je vais m'occuper de ta frange. Ah bah écoute si tu veux t'occuper de mes fesses à la limite ça me dérangerait pas. Ouais. Bon bah ce que je fais c'est que je viens dans 5 minutes, tu t'occupes un peu des gosses, je m'occupe de ta femme et puis bah, après tu t'occuperas de moi si tu veux une fois qu'ils sont couchés. Ouais je m'occupe bien. Bah écoute, dis à ta femme de préparer la chambre là, qui prépare le lit d'amour. Et puis je débarque dans 5 minutes, mon petit chéri, d'accord?
Ouais, bien. Ah, dis-lui que je suis chaud, là, hein, parce que j'ai vraiment envie de faire des trucs de dingue. Avec ta tête, tu vois, ce que je vais faire avec ta tête, moi. Bah, avec mon cul, déjà. Non, non, avec ta tête, je t'ai dit. Ah, bah, écoute, tu t'occuperas de ma tête si tu veux. Moi, je m'occuperai de ta femme. Ouais. Et puis, bah, après, on verra, d'accord? Ouais. Si tu veux, ouais, je m'occuperai de tes fesses. Je m'occuperai de tes petites fesses. Ouais, ok, ça d'accord marche. D'accord? Ouais. Ouais, ouais, ouais. À tout de suite, mon chéri, bisous. Ouais. J'arrive. Ouais, t'es enculé. Ah, bah, tu vas m'enculer. Encore, si tu veux. Décidément, qu'est-ce qu'on se fait enculer ce soir? Ah, bah, tu pourras m'enculer à sec, tiens. Allez, vas-y. J'arrive, mon chéri, à tout de suite. La fin, tu l'as écœuré là. Mais tout le monde se fait enculer, c'est fou ça. Bah, Romano, vous, Cédric. Faire les fesses, Non, il m'a dit la tête, il a bien précisé, c'est la tête. D'abord, il veut que je m'occupe de ma tête. Et après, il veut que je m'occupe. T'as dit en même temps, vu la gueule que t'as, il y a du boulot. Et après, il veut s'occuper de mes fesses, excuse-moi, gros. Oui, reste avant. Non, non, il a jamais dit ça, gros. Ah, si, si, il a dit va m'enculer. Bon, tu prends ton deuxième coup de fil ou pas, Romano? Bah, bien sûr que je le prends. On te croit que c'est Noël là. Alors, ligne numéro 7. Jean-Mich. Et c'est le dernier coup de fil, hein. Après, vous allez pouvoir. Allez, Jean-Mich. Attendez avant de voter. En là. Piste, Jean-Mich. Oui. Viens là, mon mignon. Bon, il répond pas, il sonne pas, Jean-Mich. Viens là, mon mignon, c'est bison futé à l'appareil. Ah oui, c'est la méthode bison futé, c'est vrai. Allô, Jean-Claude. Jean-Claude. Allô. Oui. Ah, oui, ça, ah bah ça, c'est la femme à Jean-Claude. Tiens. Tiens. Allô. Ouais, Jean-Claude. Ouais. Ouais, comment ça va? C'est qui là? C'est Jean-Louis à l'appareil, je suis un touriste là. Dis donc, en fait, ce soir, il y a des bouchons sur la route. Je préférerais partir que demain. Je peux pas venir chez toi, m'occuper un peu de ta femme et de toi. Et je reprends la route demain matin vite fait, quoi. Ouais. Je passe vous voir dans 5 minutes, là. Je me pointe à la baraque et puis je m'occupe de toi et de ta femme. Ce soir... La tienne avec. Non, mais moi, j'en ai pas, là, pour le moment, là. Donc, je vais surtout m'occuper de la tienne, mais tu pourras t'occuper de moi aussi, hein, y a pas de problème. Hein. Jean-Claude. Oui. Ouais, bon, moi, j'arrive dans 5 minutes, hein. Ouais, donc vous vous foutez à poil, vous sortez les capotes et puis on y va, quoi. Ouais. Parce que demain matin, moi, je pars tôt, donc j'aimerais vous niquer rapidement, quoi. Bon, ben, j'arrive. Jean-Claude. Par contre, il va falloir changer la musique et moi, je pourrais pas baiser là-dessus, hein. Ouais. Ouais, bon, ben, j'arrive dans 5 minutes, donc pour vous faire l'amour comme c'est prévu, hein. Ouais, vas-y, va niquer ta mère, fils de pute. Oui, mais j'arrive. Tu pourras me le dire en face, si tu veux. Pendant que je serai dans ton anus. À tout de suite. J'ai pas l'impression que ça motive. Eh bien, c'est. Non, mais il m'a invité quand même, gros. Voilà, ça va comme tout. Sympa. Bon, on va passer aux déclarations. Déclaration rapide pour Cédric et Romano. Cédric, allez, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir? Super. Musique. Ah, tu peux faire autre chose. Il dit musique, c'est tout. Très bien, c'était ta déclaration. Non, musique, c'est. Voilà, comme ça. Bon, ce soir, moi, j'ai serré Grégory. Je me tape sa femme tranquille. Et après, je crois que le mec, il veut s'occuper un petit peu de mon derrière. C'est Cédric le Geek. Pour ça, votez Cédric, C-E-D-R-I-C. Cédric le Geek, je vous aime très très fort. Merci beaucoup. Très bien, Cédric. Romano, à toi. Eh bien, tu peux m'enlever cette daube, s'il te plaît. Parle bien, tu toi. Tu parles de la musique? Oui. Bon, alors, moi, je vais parler. Mais je l'enlève? Oui, Cédric, j'enlève ta musique. Allez, viens-moi cette merde. Ah, voilà, merci. Je vais. Oh, bah, mets une musique d'amour, un truc, n'importe quoi. Vas-y, mets le truc. Ah, mes amours. Ah, qu'est-ce que je vous aime. Bon, ce soir, moi, en toute modestie, j'ai serré deux fois. Premier coup de fil, ils m'attendent, on va faire l'amour. Deuxième coup de fil, ils m'attendent, on va faire l'amour. Ce soir, bison futé a frappé deux fois. Eh bien, pour tout ça, votez Romano, R-O-M-A-N-O, votez bison futé. Et votez Romano, ça sera plus simple. Fouettez le bison et votez Cédric. Et les résultats, là, dans 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, on vous dit tout. Est-il à bout, les langues? Sly Guy. Et moi, j'attends les résultats du clash, moi. Eh bien, ils sont là. Ah. Ils sont là, les résultats. Ah. 52-48. Hein? Ah ouais. Ah. Ah. 52-48. Jeline, ça va pas, Cédric? Derrière tes yeux à lunettes. Et Cédric est en train de. Tu rentres en crise. Ah bah, je vais me toucher là. De démence. Ouais, bah, écoute. Il va falloir arrêter parce qu'on va appeler les keufs. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, quoi? Tordu, va. Alors, annonce. 52% pour le gagnant. Ouais. Putain, ça me ferait chier de perdre quand même, tu vois. Romano bison à chacun, ça fait. Et Cédric le geek. Ouais, mais je préfère avoir les deux victoires qu'une, tu vois. Eh bien, moi je me contenterai d'une. Bah, de toute façon, t'auras pas le choix. Hein. Bah oui, connard. Là, mais il est con. Donc, le deuxième clash de la soirée a été gagné par Romano avec 52% ce soir. Eh ben voilà. Et voilà.
Ah bah toi t'as plus rien. Deuxième victoire de la soirée. Et voilà, c'est la folie. Merci la team Romano. Ce soir vous êtes présents du début à la fin. Et c'est pas fini mes amours. Je vous aime. Et ça, ne l'oubliez jamais. Don't forget that. Merci Romano. This is... Oui ça va. Ça va bien moi. Et vendredi, nouveau clash. On fera un spécial Halloween vendredi d'ailleurs. Ouais. Un voilà. Spécial quoi? D'ailleurs Halloween Cédric. Ah d'accord. Parce que c'est... Tu sais. Je crois que t'avais dit Halloween. C'est bien, c'est Cédric. Genre, il voulait ta gueule, une blague. Merci. Ah, mais c'est pas une blague. Karim Comedy Club ou... Non, mais non, jamais. Pourquoi tu l'acceptes pas? Ah non, jamais, tu restes devant. Gros.